Yo tout le monde, c'est Kyrios. Allez, on reprend notre aventure sur XCOM Chimera Squad. Alors, tac, lui qui était à l'entraînement, lui qui était affecté aux opérations spéciales, ok. De toute façon, je peux rien faire là, j'ai que 45 de renseignements et 40 de crédits. Ravitaillement, est-ce que je peux acheter un truc? Non, je peux rien faire. Medikit. Mais je crois qu'ils ont tous un Medikit. Je peux en racheter un, mais bon. Voilà. L'enquête sans météo, c'était toujours là. Ok. Bon. Bon, la difficulté est très difficile. Non, on va faire ça, c'est quoi? Bon, bah, envoyer le transport. Hein. Vas-y. Centre-ville, j'aurais compté de 5. Ok, continuez. Jour de paye des Ça équipes va de pas? terrain. Non. Vous n'aimez pas le pique-nique? Si, mais je peux rien manger du tout. Pas même ma fameuse salade aux œufs? Les œufs de poule sont toxiques pour les sectoïdes. Et pourquoi pas un hot dog? Un hot dog? Vous voulez dire? Les hot dogs, c'est aussi du poison pour nous. Non, un hot dog. C'est délicieux, nutritif et parfaitement digestible, d'où que vous veniez. Même pour moi? Bien sûr, mon cher Goliath. Les hot dogs sont bons pour tout le monde. Que vous veniez de la Terre ou de l'espace, nos hot dogs réjouiront les plus voraces. Je veux un hot dog. Moi aussi. Mettez-moi 3. Les hot dogs sont une source de fibres approuvée par les espèces signataires des accords de 2036. Les extraterrestres ne doivent pas consommer plus de 5 Alors, jour de paye des équipes de terrain, donc 40, 35, vos hot dogs à l'abri de la lumière. Les hot dogs ayant viré à la couleur bleue visible par l'œil humain doivent être immédiatement jetés. Okay. Good life. Ah, marché des pillards, vous verrez. Qu'est-ce qu'on a? Oula. À 80, 80, donc j'ai envie de les garder moi, pour pouvoir lancer une nouvelle unité. Alors, ravitaillement, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, on va attendre un petit peu. Lui, il aura fini. Ok, comme ça, je pourrais en faire un autre. Bon, bah, on va faire une mission. Hein. Mais avant, on avait dit. Oula, temple rendez-vous. Ouais, bah là, c'est très difficile. J'aurais du mal, là. Ça, c'est une, je crois qu'une mission importante. Ok. Là, j'ai combien? J'en ai un, j'en ai deux. J'en ai déployé une équipe de sécurité. Ça s'est fait. Confirmé. Voilà. Centre-ville, je pense que celui-là, il va falloir que je fasse attention. Centre historique. Ouais, ouais, il va falloir que je compte les autres. C'était combien, je crois, le truc? C'est 80 aussi pour chaque level up. 80. 80, ouais. Là, je gagne 50 de renseignements et moins 2 en truc. Elle a amélioré 95 quand même. Et là, c'est une mission difficile.
cible recherchée. Là, ça, si je la loupe, ça normalement ça augmente l'agitation de là, au niveau 2. De 2 level. Celui-là, si je fais celui-là, ça. Ça fera juste l'agitation, il restera là. Mais au moins celui-là, je gagne 50 de recherche. Ah, on va faire celui-là. Ravitaillement. Ah, c'est 65 pour avoir un renforcement. D'accord. Médic, médic. Peut-être celui-là il lui faut un médic. Blindage, non, non. Ah non, il peut avoir qu'un seul, d'accord. Reste là, et puis toi, mets-toi en médic, l'une. C'est au cas où. juste regarder un truc. Là, il en reste plus que 3, d'accord. Là, il en reste plus que 2 tours et 1 tour, ok. Bon, allez hop, on va faire celui-là. Lancer. Ah, j'espère que je vais réussir ma mission là. J'ai repéré la contrebande. Récupérez-la si possible. Dégâts plus 3 pendant l'infiltration pour la première unité à entrer par ce point. D'accord. Bon bah. Cherub, Axiom, Godmother et Terminal. On s'infiltre. Colas, surpris. Abri partiel, 20%. Un paladin, lui, il a pas de truc. Logiquement, il devrait faire mal. 82%, dégâts 6 à 7. Critique plus 3, ouais, et hop. Bon. 8,82%. 66% de faire un coup. Lui, il a 92%. Mais bon, t'as l'abri. Lui aussi, il a un abri. Ouais. Coulave, voilà, un abri partiel aussi. Tiens, 92% de faire un dead. Colas. Et là, Dominator. 67% de faire un Python. Ouais, tu en gages. Non, on va hop. Voilà. Dominator, la couleur, Python. On va faire celui-là. Oh, il a eu mal. Cherub, il a eu mal. Il a pris cher. Donc c'est ça. Localiser l'appareil, c'est bon. On l'embarque et on file. Cherub, t'as pris cher quand même. Tu vas aller là. Prends un kit médical. Et tu vas rester ici. Non, là. Je reste sur mes gardes. Couvre la zone. Voilà. J'étais sûr. Hop. Toi. Tu vas aller là.
sortir d'armes. Ouais, vas-y. Donc on est bon. Pour le moment, on est bon. Ça se débrouille bien. Arme de la cible en ligne de mire. Raté. Oui, je reste en vigilant. Ok. Viens ici. Vigilant, est-ce que tu peux... Voilà, ou alors tu fais le piton. Là, tu fais le piton. Ouh là 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 là. Où que tu auras un gage. Attends, on va essayer le piton. Bon, bah voilà. Ça, ça s'est fait. Toi, hop, viens ici. Tu vas rester en vigilance. Si. Je me couvre. Sans que tu auras gage, bizarre. Toi, tu vas rester toujours ici, t'es bien là. Mais tu vas rester en vigilance. Aussi. Comme ça, c'est bon. Toi, toi reviens là. En vigilance là. Normalement, lui, il se fait. Voilà. C'était sûr. Bon, bah voilà. Allez, hop, viens ici, toi. Récupère-moi ça. Voilà. On évacue. Bon, les renforts qui sont là. Ça, c'est pas grave. Hop. On taille la zone. Raté. C'est qui, c'est lui? Tu peux pas lancer une grenade flash là dans le coin là? Je balance une flash. Allons toujours bien. Voilà. Allez hop. C'est bon? Ah non. Tu dégages. Évacuation. Lui est désorienté donc ça devrait aller. Chérub il l'a loupé, c'était sûr. Godmother, tu te tailles. Adios. Et normalement c'est Chérub. Et Chérub, tu te tailles. Adios. Ouah, c'est la première fois que je réussis une mission avec tout le monde qui est sur lui. La chérie, blessure légère. Indemne, indemne, non déployé. Évaluation excellent. Allez, continuez. Oh, première fois que j'arrive avec tout le monde qui est sur lui. Ça, c'est génial. Première mission que j'ai réussi, 100%. Renseignement, bon. L'anarchie de la vision a augmenté à 3. Ah bah oui, ça c'était sûr. Quartier Franche, Arrêtez 2, rue Versailles, augmenté de Virgile a terminé l'entraînement habilité au combat. Donc Virgile, je peux leur ramener. Maintenant, je vais emmener un chez moi, là, l'entraînement. Continuer. En plus, entraînement terminé. Vous avez soif d'aventure ou simplement envie de distraire les enfants? Venez à la psychobulle. Ouais, nous psychobulle. Sommes à 3 blocs de la place okay. De la cité 31. Ouais. Des bandes dessinées de l'ancien monde et du nouveau. Venez voir ce à quoi tout le monde mission pense. Critique. D'accord. Alors, attends. Promotion. Chérub.
Ah, ça c'est pas mal ça. Chéri peut désormais stocker 3 charges et gagner des PM bonus. Donc ça c'est pas mal. Coopération terminale se coordonne avec un allié diminué à proximité pour lui accorder une action bonus immédiate. Oula, recherche 3 tours. Ah, ça c'est pas mal ça aussi. Ok, là on est bon, là on est bon. Alors. Godmother, je pense que... Oula. Oui, de toute façon je vais faire un truc inactif, oui, bah c'est lui. Entraînement. Godmother, non. Là, rien. Ça, c'est bon. Je pense que ça va être Axiom qu'on va aller... Ce qui lui... Là, c'était boitement. Là, il gagne 2 points de vie et en plus, il fait son truc, donc... Et les autres, c'était quoi? C'était la mobilité. Oui, c'est conditionnement. Je pense qu'on va faire rapidement. Après, débloque le potentiel. Ouais. Non, Virgile, tu vas revenir. Donc tu vas revenir au combat, donc ça ne sert à rien. Godmother, elle a plus rien. Chirub, conditionnement, c'est... Ouais, là aussi. Ouais, bah c'est les deux qui ont level up, donc voilà. C'est Axiom. Axiom, tu vas revenir. Tu vas aller partir là. Remettant ta condition. Là, l'opération spéciale, on va mettre Virgile et Claymore, tu vas venir. Ah non, on pouvait pas changer. Ah non, je suis bête. Non, bah j'aurais dû laisser Claymore. Ah le con, c'est pas grave. Donc on va laisser Claymore. On va mettre Virgile. Bon bah j'ai perdu, c'est pas grave. L'assemblage c'est fini dans 2 trucs. Ok, alors avant de faire la mission critique, ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder la partie. Et la mission critique. Très difficile. Ok, bon. Bon, on est parti. Hein. J'espère que j'ai réussi. De toute façon, si je rate, bah, je recommence. Ok, donc lancer. Comme ça, j'ai Virgile et Terminal qui ont ça. Donc c'est bien. Je pouvais rien d'autre acheter. Hein. Non. Grenade flash. C'est qui pourrait avoir une grenade flash? Pas Virgile, il peut avoir une grenade flash. Crédit 50. Ça peut toujours servir ça.
Ah mais non, ils ont le droit qu'à une grenade, non. Il va terminal, au lieu d'avoir un... Non. Godmother, au lieu d'avoir un médic, on va changer avec une flash. Parce que je le sens mal, là. Ah, c'est parti. Un employé de cette usine chimique vend des informations au Phénix Gris. Mais heureusement pour nous, notre mystérieux VIP a arrangé un rendez-vous. Infiltrez-vous et mettez-y fin. Je veux qu'on capture le VIP. Faites en sorte qu'on y arrive. Alors, Cherub en premier, on va mettre Godmother, non, on va mettre Virgile, Godmother, terminal. Ok, ça lui il rentre, lui il peut lever en plus. Faire léviter les gens là, et puis voilà. On s'infiltre. Non, bah lui tout de suite. Bah il y avait 100% lui ou 100% lui. 3 à 4. On va tuer tout de suite lui. C'est un démon. Anonyme, il y a comment là? Là il est comme ça. Ou alors j'ai l'autre qui est là-haut. On va tuer celui qui est là. Il est proche. Voilà. Et soit là. Soit là. 3 à 5. Normalement, il est mort. Ok, mettez-vous en place. Toi. Normalement, t'es tranquille ici. Alors, frappe chargée. Ah, tu peux attaquer que celui qui est là. Petit bouclier synthétique. C'est qui après? C'est lui. Anonyme qui est là. Là je pense que c'est le terminal qui va en avoir besoin. Parce qu'il y a l'autre qui va attaquer. Voilà. Tir d'arme. Paladin. Wow. Wow. Wesh. Ouais. Sur médic. Sur toi. Il est encore là le... ou il a disparu? Et du coup je sais pas exactement. Ah si, il est toujours là.
Mais tu vas te mettre ici. Voilà. L'autre il se barre. Ça c'est bien. Faut le combat stupeur. Ah, t'es Godmother. La Godmother, tu vas aller là. Comme ça, on est tranquille. On se protège. Couvrez-moi. Et tu vas attaquer le paladin par derrière. Normalement, il meurt. Voilà. Ah, il restait encore le piton. Raté. Mon arme est vide. Ouais, mais toi là, parce que j'ai peur de la lune. Tu as besoin d'une escorte? Recharge. Arme rechargée. Piton. Ah non. Bah chérub. Mets-toi là. C'est l'anonyme que j'ai peur en fait. Soit le piton. Soit l'anonyme. Ah, attends, j'ai des produits dangereux là. J'espère qu'ils vont pas. Alors, attends, on va se mettre en vigilance aussi. Comme ça, dès qu'il y en a qui passent, les quick. Je vous couvre. Je veux pas. C'est bien d'avoir le bouclier cinétique. Toi, tu vas aller là. Le piton, tu peux l'avoir normalement. Lui, alors je m'occupe de lui. J'ai entre 3 et 5 défense. Alors je m'occupe du piton. Mince, j'ai oublié. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Toi, reviens ici. Je change de position. Le piton. Normalement, il est dead. Ouais, il a raté son tir. Eh ouais, j'ai fait une connerie. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Soit on sprint, parce qu'après c'est qui? Ah, c'est Chérub. Sprint jusque là. Je vais là où je dois être. Ne va pas trop loin. Et comment lui? Rester en vigilance ici. Ou pas. Ouais, si. Ah, t'es encore. Bon. 3 points de dégâts. D'accord. Bah désolé, mais toi, piton, faut pas que je... Hop là.
Voilà. Je manque de munitions. Recharge. Arme rechargée. Ici. Chérie, tu vas aller là. Je te fous un petit médic parce que là t'as un peu mal à mon point. Je te recharge. Tu peux m'y remettre. Chimique sert plus à l'expérimentation qu'à la production. Il est très chouette ce labo. On pourrait manger par terre. Enfin, avant que ça dégénère. Bon, c'était un petit peu galère. Hein. J'ai un peu cafouillé un moment. On refait la même chose. Chérube. Virgile. Godmother. Et Terminal. Vas-y, comme ça, ça c'est fait. Là, je peux rien faire. Rien non plus. Et rien non plus. On est parti. Et dégâts de 3 pendant l'infiltration pour la dernière unité à entrer par ce point. Ok. Restez derrière moi. Paladin. Légionnaire. Ceux qui font plus de dégâts. T'es nul ? Tu sais pas viser. Paladin. Anime. Couleur. Légionnaire. Ok. Alors on a qui c'est Chérub. Ça c'est quoi? Celui-là qui est là. Et ça. C'est celui qui est là. Bah vas-y, fais-moi sauter ça. Hein. Ça en est tranquille. Hein. Je suis verrouillé.
couleur qui joue ça. Voilà, elle va mourir. Je vais bouger. Le légionnaire, il va se prendre un tir, il va mourir. Waouh, chérub, il a pris cher. Tu vas l'air. Je me repositionne. Bon, ça c'était sûr. C'est Godmother, ouais. Et Godmother est un petit peu. C'est la couleuvre. On peut rester là en fait. Parce que là on a quoi? On a Godmother et après c'est l'autre. Il est où? Ah, il est là. C'est Godmother, c'est Godmother. Bah, Godmother, elle peut tuer normalement la couleur. Hein. Elle peut tuer la couleur. Hein. Ouais. Ça, on est bon. Oui, il avance. Voilà. On va faire grand chose. Le médic. Terminal. Alors, terminal va préserver lui. Laisse la technologie faire son travail. Voilà. Et Dominator, logiquement, ça doit faire, même s'il y a une couverture couverte. Coopération. Godmother. Virgile. Non. Terminal, bah si, oui, tout de suite. Médic. Plus 4 points de PV. Il ne reste plus qu'une action. Normalement. Tu vas aller là. Je bouge, couvrez-moi. Faut tuer le Dominator. Toi, tu reviens ici. Action disponible. Alors, stupeur. Non, mais plutôt lui. Dominator. Là, comme ça, c'est bon. Allez, hop, comme ça, on peut le. Terminal qui est sous contrôle mental. Viens ici. Je me déplace. Et Dominator. Vigilance. C'est vrai que j'avais la vigilance à chaque fois, j'oublie. Ça, dès qu'il y en a un qui bouge. Voilà, 6 points de dégâts. Ça c'est bon ça. À chaque fois que je vous dis, j'ai la vigilance, moi. Ah, ou Godmasa va prendre un petit coup, là. Je crois que c'est pour elle. Elle va prendre cher. Oh, elle a raté. Oh, c'est bon, ça. Ah, et Terminal qui est toujours... Oh, Vigile. Virgile, je veux dire. Ah, yes. Qu'est-ce que je pourrais faire si je fais une frappe chargée? Ouais. Vas-y. Vous croyez l'avoir? Je vais retenter le coup. Ouais, ça c'est bon. Virgile, tu es juste là. Vas-y. Je vais traverser. Et adieu, amigos. Non. Oui. Et on récupère.
Notre VIP a l'air prêt à parler. Le Phénix Gris prépare sa défense. Le VIP est... désintéressé. Je ne sens aucune cupidité. Explique-toi. Je ne peux pas. Une capture vivante nous en dira beaucoup plus. Ok, alors... Porte et clavier et le mur. Entrée explosive, coup de... Alors, tous les ennemis non agressifs viendront cette entrée sont surpris. La dernière unité entrée par ce point recevra un point d'action supplémentaire. Ah, ça c'est pas mal ça. Porte à clavier. La première unité à entrer par ce point restera marquée jusqu'à la fin de l'affrontement. La première unité à entrer par ce point n'aura pas manqué sa cible. C'est qui a les explosifs? C'est Chirub. On va la mettre avec Godmother. Et la petite porte normale. Ce sera Virgile. Avec terminal. Ah, charge insuffisante. Ils sont comment là? C'est Virgile qui est un petit peu. Qui est un peu mal. Ok. Bon, on est parti. Il est temps d'entrer. Bon, ça a l'air d'y aller pour le moment. Dominator. 100%. Les autres comme ils sont. Il est comme ça. Ouais. Ouais. Non, lui. Dominator tout de suite. Lui, il va se prendre. C'est vrai que j'ai un viseur holographique, du coup logiquement ça devrait... J'ai lui il est dans le truc. Après, toi. Bah toi tout de suite lui. 3 points en 1. Bah j'ai le légionnaire qui est... Il y a 89% que je vais faire entre 4 et 6. Et là j'ai 80% fait entre 4 et 6. Qui est Le VIP se dirige vers une sortie. Capturez-le si vous pouvez. Ok, alors Virgile, lui, il a mal. Il l'a très mal. Donc Virgile, tu vas aller... J'allais dire que t'es bien ici, mais il y a la couleuvre qui peut attaquer. Il y a le piton qui est juste là. Donc, toi, tu vas aller là. On va essayer de pas te faire avoir quand même, piton. Allez hop. C'est la couleur qui est là-haut. Ouais d'accord, t'es raté, je sais pas pourquoi. J'aurais dû le laisser en... Il y a le major qui est empoisonné. On approche. Terminal, terminal. Préservation. C'est Virgile. 100%. Chirub, ça peut aller. Non, toi c'est bon. Non, c'est. Ouais. Préservation, lui. Un petit coup de main? J'apprécie. Voilà.
il va falloir que je la joue. Godmother, tu te casses d'ici. Ah, sinon tu fais sauter, mais il y a toi qui meurs, donc ça sert à rien. Donc tu te tailles d'ici. Helico presto. Ah non, c'est Sheridan. C'est pas grave, lui il est là. Godmother qui est là. C'est elle. C'est elle. Donc Godmother, tu te tailles ici. Et là tu peux faire sauter. Et là si tu fais sauter ça, ça va faire mal. J'y vais, je fonce. Python. Non, légionnaire, non. Mais Virgile, c'est la pierre qui est là. Là, j'ai le python. Il faut que je m'occupe du python. Tout de suite. Ça, les deux-là, ils restent là. On va essayer de capturer le suspect, on va pas le tuer non plus. J'y vais. Oh, terminal, la pêcheur. Terminal. Légionnaire, il est comme ça. Le paladin. Anonyme. Alors, je pense qu'on va faire l'anonyme tout de suite. Parce que lui, il fait mal. La couleuvre, elle est juste là. Je peux m'en occuper de la couleuvre facilement. On s'occupe pas de lui après. La couleuvre, là, 3-4, logiquement. Il me reste plus que le paladin, le légionnaire. Ah, Godmother. Qu'est-ce que tu vas faire? Godmother, tu vas assommer l'autre. Godmother, tu vas te casser d'ici et tu vas assommer l'autre là. Commencer là, maîtriser là. Non. Tu vas aller là. Lui, on va le maîtriser. Vas-y, maîtrise-lui. Ennemi maîtrisé. Voilà. Comme ça, on est bon. Et sécuriser le stockage. Bah, sécuriser le stockage, en fait, on va passer tous en vigilance, je pense. C'est dès qu'il y en a un qui passe, à moins que... Attends, je vais regarder. Lui, il est comment? Celui-là, je peux le tuer. Là, celui-là, c'est tout. Voilà, on va passer en vigilance. Maintenant, ça va être que de la vigilance. Voilà. Ça dès qu'il y en a un qui va bouger. Voilà, loupé son tir, lui. Terminal. Tu vas te mettre ici aussi. Préservation, toi. Euh...
Chérub. Chérub, tu vas juste mettre là. J'ai trouvé une meilleure position. Et tu vas rester en vigilance là aussi. Dès qu'il y en a un qui bouge. Gunmoser. Tu vas lancer une petite grenade flash. Je sais pas pourquoi, mais ça me servira peut-être plus tard. Flash lancé. Tu vas rester en vigilance aussi. Comme ça, on tue les autres. Normalement, ils passent tous en vigilance. Et hop. Toi, tu passes en vigilance aussi. On va se la faire que comme ça. Je peux tout voir. Ouais. Merci de veiller sur nous. Bouge. Ah, il bouge pas. Ah, Virgile, il bouge pas. L'autre, il bouge pas, le légionnaire. Ok, donc on va... Bah, on va tirer. On va pas s'emmerder. Vas-y. Ah, là, c'est chiant, parce que ça veut pas faire mon truc que je veux, moi. Spoot. Je change de position. Et pour sécuriser, il faut que je tue ça. Et disons que... Voilà, bon. Bientôt vide. Recharge. Passe en vigilance. Prêt à y aller. Parce qu'on ne sait jamais. Ah, vigilance, il peut pas. D'accord. Je cours. Tout est calme. Partez. Chérub. Vas-y. En fait, il faut que je tue. Raté. Je pensais faire un truc, mais en fait, non. Ah là 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 là. Mais encore en vie. Voilà. Bon, on a réussi. Avec un peu de mal, mais on a réussi. J'ai perdu du temps, j'aurais pas dû faire la vigilance, j'aurais dû attaquer tout de suite, en fait. C'est moi qui ai mal... c'est pas grave. Bon, bah voilà. Alors, agitation, moins de 35 crédits, vous pouvez récupérer 35, 20 enseignements grâce aux ennemis capturés, ouais. Ok, ok, ok. Joli travail. La population extraterrestre de la cité 31 ne craindra plus les enlèvements du Phoenix Cree. Ok, suivre les déplacements... Ah, choisir prochaine opération. Suivre les déplacements du personnel. Nous savons que Phoenix Cree peut déplacer rapidement du personnel dans la cité 31. Dès que vous saurez comment, on saura comment les bloquer. Vraiment, l'armée est équipée des... Rien perturbé, comme on a pu le voir, Phoenix Cree fait preuve d'une étonnante coordination des cibles. Découvrir ce qui les unit étroitement. Déplacement personnel. Ah ouais, c'est de voir pour perturber la direction, je pense qu'on va partir là-dessus. Ok. Comment ça, tu n'as aucun passe-temps? Le travail m'occupe suffisamment. Ah, oui, mais on s'en fout. Comment tu te détends? Cicatrice. Eh ben, je ne suis en vie que depuis 5 ans et même moi je sais que c'est malsain. Et si je te disais que mon passe-temps, c'est de bluffer aux cartes?
Mais je croyais que... Et lui, j'ai compris. D'accord. Tu t'entraînes tout le temps avec tout le monde. Tu peux m'apprendre à bluffer ? Trouve-moi des cartes. Donc j'ai situation... Et ça, c'est une mission. Ouais, donc j'ai pas encore assez. Comme vous avez pu le voir, le Phénix Gris fait preuve d'une étonnante coordination et de discipline. Découvrez ce qui les unit aussi étroitement. Alors... On gagne 75 crédits, mais là, incendie dans un entrepôt, on gagne 55 de renseignements. Et renseignements, ça va être intéressant si je peux permettre d'améliorer un peu mes unités et d'embaucher d'autres. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va envoyer l'unité. Voilà. 21, assemblage terminé, action est terminée, l'entraînement en condition. Ok. Le Phénix Gris obéit à deux chefs, deux Goliath. La gardienne Xel s'occupe de leurs intérêts techniques. Nous en savons plus sur le chef de groupe Yarvo, qui dirige leurs activités militaires. Xel et Yarvo sont des inconnus. Difficile de dire lequel des deux tire les ficelles. Ces noms viennent du dialecte des vaisseaux. Ce sont sûrement des pseudonymes. Comment ça ? Xel se traduit à peu près par « bonne route » ou « bon voyage ». Et Yarvo ? Soit nouvellement forgé, soit né dans les flammes, comme un alliage fraîchement formé. Intéressant. Ok. Alors, traitement terminé. Gagner 2 points de vie. Ok. Assemblage terminé. Ok. Voyez. Lui, il va avoir fini. Nouveauté dans l'avitaillement. Ah, 200. D'accord. Bon. On avait dit quoi qui est revenu ? Ah, c'est Axiom qui est revenu. Axiom est revenu dans la partie. Qui a besoin de... assemblage. Tiens. Fusil d'assaut amélioré. Mitraillette améliorée. Fusil à pompe amélioré. Pistolet amélioré. Blindage, je vais mettre. Wow. Non, là on va augmenter un peu les trucs. Donc on commence. Voilà. Il y en a un qui valait. Je crois que c'est Chérub, lui il a quoi lui? Elle avait boitement. Donc, perd 3 mobilités. 3 mobilités. Ah, pouvoir psy. Perd 36 en pouvoir psy. Et lui c'était 3 mobilités. D'accord. Bon, qui c'est qui va à l'entraînement ? Force physique, non. Goldmother, non, là, rien. Chérub. Deux points de vie. Terminal, conditionnement. Virgile, conditionnement. Claymore, conditionnement aussi. Ok, bah attends. Axiom, c'était bon. Godmother, c'était bon. On va balancer Chérub, l'entraînement. Hop, comme ça, ça c'est bon. Et du coup, là, on va repartir avec Axiom. Ok. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Non. Eh, hey, hey. Je viens de voir que j'ai 125 de renseignement. C'est là. Voilà. L'agitation de quartier réduit de 2. Ça, c'est pas mal. Donc, j'ai encore les deux missions là à faire. Donc
5 et il me manque encore 2 trucs. Mais j'ai quand même vu que j'ai la sécurité et la finance. Non, la finance, on va vite fait balancer un truc là. Plus 5 de crédit. Celui-là. Island Square. Même pas un truc. Réduit l'âge de précaution. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Centre-ville. Voilà. Tu vas bloquer l'agitation. Et on va quand même lancer un peu le... Donc là on est bon, en plus ça permet de... Et en plus si je la fais la prochaine fois, je pourrais avoir bien. Et là, non, là j'ai pas. Et bah je pense qu'on va faire attends. Il me reste plus que les deux là, donc j'ai 3 de sécurité. J'ai une, deux, ouais bah j'ai 2 de chaque, donc après... Là, je peux balancer une technologique, pilote une de crédit, ou une de crédit en plus. Bah, une de crédit, parce que niveau technologique, revenu 20, revenu de 50, et revenu de 40. Alors, ça c'est bon. 40. On va quand même mettre un peu de crédit. Donc on va aller sur Riverside. Riverside, on va mettre une de finance. Ça, je suis à 60 par semaine, 50 par semaine et 20 par semaine. Ah, c'est bon. Comme ça, il ne m'en sera plus que l'autre. Et donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, je disais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Moi, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.